La disparition d'Émile en juillet. Celle de Lina le 23 septembre de cette année. Font ressortir des chiffres terrifiants. En 2022, 43 202 disparitions d'enfants ont été signalées en un an seulement, rien qu'en France. Sur ces 43 202 disparitions signalées, 41 518 sont des fugues, dont près de 90% des enfants disparus sont retrouvés, les autres ne réapparaissant jamais. 41 518 fugues sur 43 202 disparitions, cela laisse quand même 1684 disparitions dites inquiétantes, ce qui fait une moyenne de 4,6 enfants portés disparus chaque jour en France. Un chiffre terrifiant. Il n'existe malheureusement aucune donnée concernant les enfants retrouvés parmi ces 1684 disparitions inquiétantes. Et par disparition inquiétante, on entend, par exemple, un enfant particulièrement jeune, souffrant d'un handicap, ayant exprimé des idées noires, ou se trouvant en présence d'un tiers, pouvant représenter un danger pour lui. Même si pour la justice, toute disparition d'un mineur est automatiquement qualifiée d'inquiétante. Des chiffres, en tout cas, qui font froid dans le dos. Parents, n'oubliez jamais, vous ne serez jamais trop vigilants pour vos enfants.